Tu pourrais pas ranger tous les trucs qui traînent. Laisse. Je me demande pourquoi on l'a tué, j'arrive pas à comprendre. Si je le savais. Madame est servie. Merci. T'as pas faim? Eh ben, assieds-toi tout de même. Calme-toi. Je suis calme? Pourquoi voudrais-tu que je ne sois pas calme? Mais tout ça, ça t'amuse, c'est normal. C'est tout de même idiot que ça soit tombé justement sur toi. Sur moi? Ben oui, je veux dire que tu étais le dernier à l'avoir avant le crime. Tu lui plaisais beaucoup, hein? Ça t'a pas dû le dire aux policiers? Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Pour eux, peut-être. Ah, parce que pour toi, ça en a. Ça m'étonne beaucoup. Elle m'appelait toujours quand tu n'étais pas là, alors évidemment, c'était souvent. Oh, Eric, tu vas pas recommencer. J'ai jamais fait attention aux dates d'anniversaire. Je suis tourdie, tu me connais quand même. Justement, non, j'ai l'impression que je ne te connais pas. Ou alors très mal. Il y a des moments où je me demande pourquoi tu es encore avec moi. Mais parce que je t'aime, tout simplement. Curieuse façon de m'aimer. T'es jamais là. T'es comme ma mère, toujours en train de courir. Je travaille. Ah, alors c'est ton travail. Enfin, ce que tu appelles ton travail, ta carrière, ce que tu aimes par-dessus tout. T'es comme la mère Benson, au fond. Mais qu'est-ce que tu as? Oh, rien. Oh, bah t'as fait une tête. Fous-moi la paix, c'est pas bientôt fini les questions? J'en ai marre, tu comprends? Marre!